Bonjour, la finale du championnat de France de cavage s'est déroulée à l'hippodrome de Montier-en-Der le 31 mars 2012. Donc le 31... 29. Nous avons filmé un petit panel de chiens qui illustre bien le fait que toutes les races peuvent être très efficaces en cavage. C'est encore une fois une question d'éducation et de connivence entre l'animal et le maître. Rappelons rapidement le principe d'un concours de cavage. Chaque chien se voit attribuer par un tirage au sort un carré de 5 mètres sur 5 mètres dans lequel sont enterrées 6 truffes qui devront être trouvées le plus rapidement possible. Le chien doit marquer clairement l'emplacement de la truffe avant que le maître ne la déterre. Le ou la juge possède pour chaque carré un plan de situation des 6 truffes. Des pénalités sont appliquées si le chien marque deux fois à la même place ou s'il marque un emplacement sans truffe. La disqualification est garantie pour le chien qui partirait caver dans un carré voisin. Nous commençons par quelques chiens non l'œuf. Pour mémoire, l'œuf signifie « livre des origines françaises ». Ici, Vioga, un berger allemand de 7 ans. Les premières truffes sont trouvées assez rapidement par l'ensemble des chiens. La dernière est souvent un peu plus laborieuse à détecter. Dior, berger australien de 9 ans. Nora, braque de Weimar de 14 ans. City, berger des Pyrénées de 4 ans.
Duc, caniche de 4 ans. Nous poursuivons maintenant avec quelques chiens l'œuf. Ici, Feeling Twister, Parson Russell. Amoulette de Loubajac, berger des Pyrénées de 7 ans. Candide et Diable, Braque de Weimar de 4 ans. Rosa, braque hongrois de 11 ans. Cadix Deo, labrador de 5 ans, chacun son rythme.
l'excitation ne rime pas toujours avec efficacité. Olympe de Bord, English Springer Spaniel de 14 ans. Et enfin, Sandy Després, épagneul français. Cette journée fut l'aboutissement d'une saison de cavage pour les équipages, avec en soirée l'annonce des résultats pour la Coupe de France et les championnats de France 2012, ainsi que le Challenge National 2012. A bientôt pour une autre vidéo truffée.